Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is unité 5, leçon D. And in this lesson, we'll see vocabulary and then vocabulary connected to la maison, the house. So let's start now. La maison. L'appartement. L'appartement. L'étage. L'étage l'escalier l'escalier la porte d'entrée la porte d'entrée le garage le garage okay so one more time l'appartement so it's the masculine form by the way l'étage same thing here masculine word l'escalier same thing here masculine la porte d'entrée le garage okay so let's continue now la cave les poubelles la cheminée l'ascenseur le portail OK so la cave les poubelles so here you've got the plural form but then if you want to put the singular form it would be la poubelle okay so you know that you know now sorry that it's a feminine word la cheminée l'ascenseur okay and it's masculine le portail Let's continue. La sonnette. Le balcon. Le toit. La fenêtre. Le grenier. OK? So, la sonnette, le balcon, le toit, remember final t not pronounced la fenêtre le grenier remember this er here at the end will give you the sound e nier grenier okay okay that's it for this lesson it was a short one but quite useful uh, if you want to check for the next lessons and uh, all the lessons uh, you can find them here youtube.com blue sla uh, slash imagier i'm going too fast and then if you want more material then you can find them here okay have a great day bye bye bonjour à tous and welcome to learn french with vincent this is unité 5 leçon n and in this lesson we'll discover vocabulary regarding le corps humain le corps humain so let's start now la tête la tête L'épaule. L'épaule. Okay, so in that case, I did put this F here just to indicate you that it's feminine. Okay, because you cannot see it here with the, the, the article L. Okay, l'épaule. La poitrine. La poitrine. Le tronc. Le tronc, okay. Remember, final C is not pronounced here. Le tronc, okay. L'estomac, l'estomac, okay. Same thing here, final C, not pronounced, and then M means that this word, estomac, is masculine, okay. L'estomac, la hanche, la hanche, remember. Ash here is not pronounced, so you get the sound an, anche at the beginning. Le poignet, le poignet. So this combination of et » t at the end will basically open the sound, so you get e, e poignet. Okay, remember g n n n n n poignet, le poignet. La cuisse. La cuisse, double S, and then two vowels before and after, it will give you a really strong S sound. Okay? Cuisse, cuisse, la cuisse. Le genou, le genou. La jambe, la jambe. Okay, remember? A M, when you combine these two, it's basically it's just like ah N, so it's nasal and it's en. Ok, so you get la jambe. La cheville. La cheville. Remember double L like that after i, i, i. Cheville. Le pied. Le pied. Le dos. Le dos, final s not pronounced, okay. Le dos. Le cou. Le cou. Le bras. Le bras. Same thing here, final s not pronounced. Le bras. Le coude. Le coude. So it's actually quite funny because the only difference between these two is this d d at the end okay so here in this one you've got le cou okay and then the second one here is le coude okay remember you don't insist on this final e uh, it only gives you the sound of d at the end le coude okay le nombril le nombril le doigt de pied le doigt de pied la main la main so this combination r e n is quite interesting because it will give you the sound un so it's really a nasal it goes in your nose okay and it's un main. la main le doigt le doigt okay so don't be frightened by this j because Basically, you don't pronounce it, and then the final T you don't pronounce it. So the only thing you get to pronounce is this combination of three word or letters. Sorry, here D O I. Okay, O I. It's wa and then D. Doi. That's the only thing. Doi. Le doigt. Okay. Le pouce. Le pouce. L'ongle. L'ongle, okay. i Forgot to write it, but it's masculine, okay. L'ongle. La peau. La peau, okay. Remember this combination of three vowels. Well, it's quite rare in France, but then, well, well, you can see it's. But then, so the sound that you will have to pronounce when you've got the, these three vowels combined together, it's the sound o, okay. So really simple o, okay. So you get. La peau. Ok La peau. That's it. If you want more, then the address is here. Youtube.com slash imagier and then the website is here. If you want to see more material, then write me a beautiful letter or a mail. Ok, have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 5, Leçon 5. Okay, and in this lesson, we'll discover le visage, the face. So, we just saw the human body previously, and so we'll continue with le visage if that's okay with you. Let's hope so. So, let's start now. Les sourcils. Les sourcils. Okay, so it's quite strange because you get this LS at the end, but then, well, you don't pronounce them. Les sourcils. L'œil. L'œil. Strange combination of vowels here. Okay. And then you will get the sound E uh, and then Y. Alright. And it's masculine, by the way. Un oeil. L'œil. Okay. Plural form. Les yeux. Okay, so that's the tricky thing when you compare the, the, the um, singular form and the plural form. Okay, so l'œil, singular, and then the plural, les yeux. Okay, you make this liaison between the two. Les yeux. Okay, final X, not pronounced. Les yeux. Les cils. Les cils. Final S, not pronounced. Les cils. la joue la joue final e uh, not pronounced here la joue la gorge la gorge okay remember when you get this combination g and o you get the sound go, go okay so gorge gorge and then g and e gives J la gorge la gorge le front. final t not pronounced. le front. okay, remember this nasal on 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 on. le front. le menton. okay, same thing here. so you get two nasal. the first one here on and then the second one here on. le menton. l'oreille remember, when you get this e l l and then a vowel, it's y, y l l. all right. and it's feminine, by the way. une oreille, l'oreille. le nez. so remember, when you get this combination, a e, z. here, at the end of a word, it's e le nez. le nez. la bouche. So remember, ch combined together will give you this sh, sh sound. La bouche, okay? La lèvre. Remember accent grave here. E really open. La lèvre. La lèvre. la bouche again i don't know why don't ask me <laughs> i was tired when i made this one so la bouche one more time la langue remember when we've got this j and then u and then e we get the sound g, g. because when you combine this j and then e remember it was the sound je okay so you get to put this U between the two to get the sound g, so you get la langue, langue, okay? La dent, final T not pronounced, la dent. Les cordes vocales, les cordes vocales. So you can notice that, as usual in French, you've got this mark of the plural at the end, s. And then S here as well, but you don't pronounce them. Okay? Les cordes vocales. All right, so now you've got few more words. If you want more, it's here, and then more material can be found on the website imagier.net. Uh, have a great day. Au revoir. Bonjour à tous. Hi everyone, and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 5 le son air and in this lesson well we'll see few colors les couleurs okay so not all the colors because we're just starting okay so let's see what we've got blanc blanche okay so I wanted to put for each color the masculine form here and then the feminine form here okay so here masculine blanc don't pronounce the final C and then blanche. Okay, remember when you combine this CH, you get the sound sh, blanche. Okay, so blanc, blanche. Noir, noir. So it's quite funny because you will have to add this E at the end of noir for the feminine form, but then you don't pronounce it. Okay, so phonetically, it is exactly the same. Noir. Noir. Okay? Gris. Don't pronounce the S, but then for the feminine form, grise. Remember? Grise. All right? So when you add this E, basically it gives you the pronunciation or the possibility to pronounce the previous letter here. It's Z. Grise. All right? So gris. Masculine form, feminine form, grise, bleu, bleu. So same thing that we had for noir. You just add this e at the end, but then you don't pronounce it. Bleu, bleu. All right. So let's see them one more time. Blanc, blanche, noir, noir gris, grise, bleu, bleu, ok, so let's continue, bleu foncé, bleu foncé, ok, so foncé, this adjective will basically it's will be like dark, ok, bleu foncé, bleu clair, so same thing here, this Clair, adjective is like light. Okay, bleu clair, jaune. Okay, so it will be the same at the masculine and the feminine form. Jaune, jaune, rouge. So same thing here, same form for the masculine and the feminine. Rouge. Remember, je rouge. Vert. So masculine form. You don't pronounce the final T. Vert. Feminine form. Verte. So listen carefully. I don't say te, but it's T. Verte. Verte. Okay. So as usual, this final E only gives you the possibility to pronounce this. Verte. Okay. Marron. Same thing for the masculine and the feminine form. Marron. Marron. Okay. It was a start, but it's quite important. If you want to check for the next lesson, it's here. And then the website is here, imagier.net. Have a great day. Bye-bye. bonjour à tous and welcome to learn french with vincent. this is unité 6, leçon c. and in this lesson, we'll uh, work on the vocabulary regarding la salle de séjour. so let's start now. le rideau. le fauteuil. so remember it's a bit tricky, this word. fauteuil fauteuil le fauteuil le coussin la cheminée la télévision okay, one more time. le rideau le fauteuil le coussin la cheminée la télévision Le lecteur DVD. Le lecteur de CD. La table basse. Le lustre. Le cendrier. Ok, one more time. Le lecteur DVD. Le lecteur de CD. La table basse. Le lustre. Le cendrier, le sol, la table, le tapis, le canapé, la bibliothèque, One more time. le sol, la table, le tapis. Remember, final S, not pronounced. Le tapis. Le canapé. La bibliothèque. That's it for la salle de séjour. OK? If you want more, then it's here, and then the website is right here. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And this is Unité six, Leçon D. And in this lesson, we'll go into la cuisine. So in the previous lesson, we were in uh, la salle de séjour, and now we're still in the house, but it's la cuisine. So let's discover what we have. La cuisine. Le congélateur. Le réfrigérateur, le frigo. L'évier. L'étagère. Okay, so let's repeat them. La cuisine. Le congélateur. Le réfrigérateur. Le frigo. L'évier l'étagère l'égouttoir l'armoire murale le four la cuisinière le lave-vaisselle OK let's see them one more time l'égouttoir L'armoire murale, le four, la cuisinière, le lave-vaisselle, le chauffe-eau, la théière, la cafetière, la louche. L'entonnoir. Ok, let's see them one more time. Le chauffe-eau. La théière. La cafetière. La louche. L'entonnoir. Le décapsuleur. L'ouvre-boîte. Le tire-bouchon le presse-citron la passoire all right, let's repeat them together le décapsuleur l'ouvre-boîte le tire-bouchon le presse-citron la passoire La râpe, le couteau, le casse-noix, le hachoir, le rouleau à pâtisserie. OK, let's see when... La râpe, le couteau, le casse-noix. Le hachoir, le rouleau à pâtisserie. That's it. You've got many, many, many words. So I hope you remember them. If that's not the case, well, try to watch the video one more time. And then if you want more, then it's here. And the website oops, is here. And that's imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent. This is unité 6, leçon e. Okay? And it's a quite important lesson because we'll see vocabulary and we'll see les fruits et légumes, so fruits and vegetables. So I hope you're ready because we are starting right now. Les fruits. L'orange. So I did put this little f just to indicate to you that it's feminine. Okay, l'orange, la pomme, la pêche, le melon. Okay, so les fruits, l'orange, la pomme, la pêche, le melon, l'ananas. Le pamplemousse La pastèque La banane La figue Lanana right. Le pamplemousse La pastèque La banane La figue La prune la mandarine le citron l'abricot la cerise la prune la mandarine le citron l'abricot so by the way i didn't put it but it's masculine just for your information la cerise La poire le raisin le marron la date la poire le raisin le marron la date les baies la fraise. La framboise. La groseille à maquereau. La groseille rouge. I just noticed that I've been making a little mistake here. Sorry about that. Les baies. La fraise. La framboise. La groseille à maquereau. La groseille rouge. La myrtille, La mûre des marais, La canneberge, Le cassis, L'éreille rouge, La myrtille, La mûre des marais, La canneberge, Le cassis, L'éreille rouge. La courgette, le haricot vert, le concombre, la salade, la carotte, la courgette, le haricot vert, le concombre, la salade, la carotte, l'asperge. Le navet, le petit pois, l'ail, la lentille, l'asperge, le navet, le petit pois, l'ail, la lentille, le haricot la fève l'artichaut l'oignon le chou le haricot la fève l'artichaut so for your information artichaut is masculine l'oignon same thing for oignon is it's masculine le chou La tomate, le chou-fleur, la pomme de terre, le poivron, l'aubergine. La tomate, le chou-fleur, la pomme de terre, le poivron, l'aubergine. For your information, aubergine is a feminine word. L'épinard, le fenouil, le champignon. L'épinard, so it's masculine. Le fenouil, le champignon. That's it. And you do have many, many words to remember. Especially, they are quite useful. I mean, you're talking quite often, I think, about uh, vegetables. Or uh, food in general, fruits. So, if you're not sure if you want to review this video or to watch it again, don't be afraid. And then, uh, if you want to continue, then the next lesson is here. And the website is here. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And this is Unité 7, Leçon C. And in this lesson, we'll see some vocabulary for a change. Uh, and then the, the, the topic will be dans la ville. So in the town. Dans la ville. Okay, so let's start now. Une rue. Okay, remember, final E not pronounced. Une rue. Une voie ferrée. Final E here not pronounced. And then this one is not pronounced either. Une voie ferrée. Une autoroute, une autoroute, un boulevard, final D not pronounced, un boulevard, un lampadaire, final E uh, not pronounced, un lampadaire, une aire de stationnement, une aire de stationnement. Un musée, final e uh, not pronounced. Un musée. Un immeuble. So you can see, I'm making this little liaison between the two. Un immeuble, final e uh, not pronounced. Un immeuble. Un stade. Same thing here. Final e uh, is not pronounced. Un stade. Un gratte-ciel. Un gratte -ciel. Un restaurant. Final T, not pronounced. Un restaurant. Un hôtel. So you can see that I'm making this little liaison, this little link between the two. Un hôtel. Un hôtel. Un o. Un, un hôtel. All right. Un terre -plein. Un terplein, remember this e i n nasal, so it goes in your nose and it's un plein plein un terplein. Une gare, okay? Remember when you get this g and r together, the sound is gue g a g a. Une gare, final e uh, not pronounced. Une gare. Une tour. OK, o u o, o, une tour. Un palais des congrès. Final s here and here are not pronounced. Un palais des congrès. Un parc. Un parc. Un espace vert. First thing you've got this little link between the two, un espace vert. Final E uh, not pronounced, and then final T not pronounced. Un espace vert. Un trottoir. Un trottoir. Une borne d'incendie. Ok, final E uh, here not pronounced, final E uh, here not pronounced. Une borne d'incendie. And then you get the nasal. Un en un 110 une borne d'incendie un égout okay little link between the two un égout final t not pronounced un égout une conduite d'eau potable une conduite d'eau potable final e uh here And here are not pronounced, and then when you combine these two or oh, so, sorry, these three vowels e, a u, you get the sound O only O. Okay, une conduite d'eau potable. Okay, une conduite de gaz. Final E uh, not pronounced here. Une conduite de gaz. Un cable electric. Final E uh, here. and here are not pronounced. un câble électrique. un abribus. un abribus. un arrêt d'autobus. so you can hear this little link between the two. un arrêt d'autobus. un passage pour piétons. un passage. Pour piéton, final s here not pronounced and then final e not pronounced, un passage pour piéton. Des feux de circulation. So here final x not pronounced, des feux de circulation. Une chaussée, okay? Here final e not pronounced and then you get the double s between two vowels, so it's really strong. I mean the s is Okay. so une chaussée, un réverbère, final e uh, not pronounced, un ré, so here you've got this accent aigu Et. and then here you've got this accent grave Et. ok, Et. Et. so it goes like réverbère, ok, un réverbère, une maison Individual. So remember, when you get this e and then double consonant, and especially here, it's the same one. Uh, that's the, the idea. It will open the sound of e, so you will pronounce it like e. Okay, individuel. Uel. Okay, une maison individuelle. Une maison individuelle jumelée. final uh, e not pronounced une maison individuelle jumelée des appartements en copropriété remember final s and final t are not pronounced here des appartements little liaison here des appartements en copropriété des maisons en rangée final e uh, And final S are not pronounced. Des maisons en rangée. Une tour d'habitation. Remember, H, H doesn't exist in French wealth in most of the cases. So it does mean that you don't pronounce it. Alright, so d'habitation. Une tour d'habitation. That's it. Now you know many, many, many words, and especially you can pronounce them correctly. Next lesson and previous lessons are here, and then the website imagi.net is waiting for you. Okay, bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And this is Unité 7, Leçon D. And in this lesson, we'll see the vocabulary regarding the house. So, in the house, dans la maison. So, let's start now. Une entrée principale. Un vestibule. Un vestiaire. Un couloir. Un escalier. Une buanderie. Ok, so one more time. Une entrée principale. Un vestibule. Un vestiaire, un couloir, un escalier, une buanderie, un salon, une cheminée, une salle à manger, une cuisine. Des WC Une salle de séjour. Un salon. Une cheminée. Une salle à manger. Une cuisine. Des WC Une salle de séjour. Un rez-de-chaussée. Un étage. Un palier. Une chambre principale. Une garde-robe. Une chambre. le monde Un rez-de-chaussée. Un étage. Un palier. Une chambre principale. Une garde-robe. Une chambre. Une fenêtre. Une porte-fenêtre. Une salle de bain. Une douche. Une baignoire. Une porte pliante. So, one more time. Une fenêtre, une porte-fenêtre, une salle de bain, une douche, une baignoire, une porte pliante, une table, une desserte, un fauteuil, un canapé. Un banc. Un tabouret. Une table. Une desserte. Un fauteuil. Un canapé. Un banc. Un tabouret. Une chaise. Un lit. une armoire un coffre une commode un rideau OK une chaise un lit une armoire un coffre une commode un rideau this is it. you've got so many words now i hope you can remember them if you don't then uh, watch the video one more time and then uh, if you're ready so the next lesson should <laughs> wait <laughs> at the following address so it's uh, youtube.com/imagier and then the website is here imagier.net uh, have a great day bye bye bonjour à tous and welcome to learn french with vincent this is unité 7 leçon M, and in this lesson we'll discover together les professions. So many many words. I hope you're ready because it will be quite useful and maybe a bit long. <laughs> Let's try to see that together. Okay, so we'll start right now. Un menuisier, un électricien, un plombier. un maçon un agent immobilier un opticien okay so let's see them one more time un menuisier remember this ui 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 menuisier all right then un électricien so you can see that we make the liaison here un électricien i e n électricien all right Then, un plombier. Remember, O M goes like O N, so it's on, on, plombier. Alright? Un maçon. Here you can see that we've got this little cedille beneath the C, okay? And it just means that you will pronounce this C as S, okay? So that's the reason why. It's un maçon, son, okay? O-N in your nose nasal, un maçon. Alright? Then, liaison here. Un agent immobilier. Same thing here. Un opticien. Okay? Next page. Un dentiste. Un docteur. Un jardinier. Un agent d'entretien un mécanicien un boucher all right so let's see them one more time un dentiste remember nasal dent dentiste un docteur e u r heure, heure. un docteur un jardinier remember i e r i e jardinier un agent d'entretien liaison here un agent d'entretien, un mécanicien. Remember, -E I-E-N, like here, yin, yin. Un boucher. C-H, -H 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 -H. un boucher, boucher. So I tend to insist a little bit, but then it goes like un boucher. Okay, next page. Un coiffeur, un bijoutier. Un pharmacien. Un infirmier. Un vétérinaire. Un fermier. Ok, so let's see them now. Un coiffeur. Remember, O-I -E goes like wa wa wa. Quoi. And then EUR, R, -E. Un coiffeur. Then we've got un bijoutier. Un pharmacien. So remember, p h So this combination of these two letters will produce the f sound fa fa pharmacien okay un pharmacien okay then liaison here un infirmier un infirmier ier at the end y ye, ye. infirmier okay then un vétérinaire remember accent aigu accent aigu will give you this a sound V T ri and then here it's open R un vétérinaire and then un fermier OK let's see the next page un pêcheur un marin un policier un militaire un gardien un pompier Alright, so let's see them. Un pêcheur. So remember when you get this accent circumflex, you know that's the name of this accent, on the top of E, uh, it will open the sound. So you get a eh, a eh, really open. Okay, so pêcheur. Pêcheur. And then e EUR, ER. Okay, un pêcheur. Alright, then un marin. I N nasal, un. Okay, un marin. Alright, then. un policier i e r -I -E, un policier all right then un militaire remember a i it's this a sound as well a militaire all right then un gardien i e n here Y un gardien all right then un pompier So remember I was a <laughs> what I told you when you get this om here it will give you the sound on so exactly the same sound as this on all right so in your nose Pon, Pon, pompier all right next page now un avocat un comptable un architecte un scientifique un instituteur un bibliothécaire all right so let's see them un avocat so remember liaison here and then final t not pronounced okay un avocat un comptable so om remember it goes like uh all right and then strangely this p is not pronounced un comptable all right then un architecte Same thing here liaison okay un a un architect all right and then c h arch, architect all right then un scientifique un instituteur okay so liaison here and then remember this e, uh it goes like eur eur with the r instituteur Then, un bibliothécaire. Bibliothé, remember, in French, the H doesn't exist, so you don't pronounce it. Bibliothécaire. Un bibliothécaire. Alright, so let's see the others. Un réceptionniste. Un facteur. Un conducteur. Un camionneur un chauffeur de taxi un pilote okay so let's see them un réceptionniste okay remember when you get this t e o n so normally it will give you this S. i mean i'm talking about the t here okay so réceptionniste okay réceptionniste all right then un facteur e u r e un facteur then UN CONDUCTEUR, O-N-ON, -O. CONDUCTEUR. UN CAMIONNEUR, CAMIONNEUR. UN CHAUFFEUR DE TAXI, okay. a u o then e u r -E. CHAUFFEUR. UN CHAUFFEUR DE TAXI. UN pilote. OK, this one is quite easy. UN CHEF. Un musicien, un danseur, un comédien, un chanteur, un serveur. Ok, so let's see them. Un chef, so remember, CH, it will give you the sh, sh sound. Un chef, ok. Then, un musicien. Un musicien. Un danseur. Remember nasal here a n en. Un danseur. Un comédien i e n en Comédien. E accent aigu here gives you the e sound. Comédien. All right. Then un chanteur. Un serveur. Un barman. Well, this one is not that difficult. Un sculptor. un sportif, un peintre, un photographe, un journaliste. All right, so un barman, un sculptor. Same thing here. This p here is not pronounced. So. Sculpteur, un sculpteur, un sportif, un peintre. So remember, when you get this e -I n together here, then you pronounce this sound. So nasal in your nose, un peintre. All right, and remember, final e here is not pronounced. It only gives you the pro possibility to pronounce these two letters. So tr tr. Okay, un peintre. Right. Un photographe. So here ph and here ph. Pronounce it like f. F. -F, -F. Photograph. Okay. Same thing here. This e. Uh, you don't insist on it. it. You only pronounce this f at the end. Un photographe. Okay. Un journaliste. Same thing here. You know, final e uh, only gives you the t. Journaliste. Okay un barman again Oh no un sculpteur so I've been putting two times the same page well let's repeat it un sportif un peintre un photographe un journaliste OK so let's see the last page un rédacteur un dessinateur un couturier Okay, so un rédacteur. All right, remember uh, accent aigu here, so you will have this a e sound, ré dac, and then this eur. Okay, un dessinateur, and then un couturier. Remember, o u goes like ou. Okay, couturier, i e r I, E, Okay, un, courtu, un couturier. All right. So that was it. If you want more videos, then you can find them here. And then the website is waiting for you. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And this is Unité 7, Leçon N. And in this lesson, I, I thought it might be useful for you to have some vocabulary regarding cuisiner so cuisiner is to cook just because french people like to talk about food they like to talk about uh, cooking and all these things so it's usually quite useful to have few words or few verbs to, to be able to discuss about that okay and especially at this level unite 7 i think it might be the time so let's start now éplucher battre Faire mijoter, pocher, griller, okay, so let's see them one more time, éplucher, okay, remember when we've got this ch, the sound is sh okay, éplucher, all right, first group of verbs, okay, ending with er, so basically it is quite easy to conjugate, okay, then battre, battre, okay, even if you've got the Here, two letters. Well, basically, you've got only the sound of one. Okay, battre. Okay, third group of verbs, a bit tricky to conjugate, but still, it's possible at your level. Then, faire mijoter. Okay, faire mijoter. Then, pocher. Okay, first group griller okay it's interesting because here you got this e and then double l okay in most of the cases and i don't say always because it's not possible in french to say always we've got so many exceptions but in most of the cases you will pronounce it y y okay griller that's the reason why griller okay remember er because these are verbs here griller pocher éplucher okay you pronounce them okay? Even if you get this er, okay? This combination of two letters, er, at the end will give you the sound E. All right? So, griller. Okay? Let's see the others. Rôtir, cuire au four, bouillir, frire, couper. All right? So, rôtir Don't forget this accent circonflexe sorry. Then cuire au four bouillir so that's maybe the, the tricky one of the list here. So bou and then yir. Okay? Bouillir. So bou yir. Bouillir. Okay? Frire and then couper. Well, couper is quite easy. First group here. So je coupe, tu coupes, il coupe, nous coupons, vous coupez, il coupe. So quite easy to conjugate. Couper en tranches. Râper étaler au rouleau remuer mélanger. Okay, so let's see them. So here you've got this couper again, okay? En tranches. So tranche is a slice, okay? So in that case, couper en tranches, râper. So don't forget this accent, circonflexe here. First group of verbs, easy to conjugate. Étaler au rouleau, okay? Étaler, so first group of verbs, quite easy to make. Then remuer.

So now you've got many verbs to discuss with French people or French-speaking people about food and how to prepare it. OK, so if you want more videos, then it's here, youtube.com slash imagier. And then the website is here, www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And this is Unité 7, Leçon O. And in this lesson, we'll discover together les plats d'un repas. So it will be a short lesson, but still, in the previous lesson, we saw that um, all the verbs, uh, well, the main verbs that we can use in French to uh, discuss about uh, cooking and how to prepare uh, a dish. And now we'll see les plats d'un repas. Okay? So, un apéritif, une entrée. un plat principal un fromage okay so let's see that. un apéritif so here you get the liaison between the two un apéritif okay and then you've got the A accent aigu so it goes like et un apéritif then une entrée une entrée okay remember well technically this final e here is not pronounced so phonetically it doesn't exist so it's et okay? entrée remember nasal here en entrée une entrée then un plat principal final t here not pronounced un plat principal I-N, e remember it's nasal it goes in your nose un un principal un plat principal all right then un fromage okay remember g e j, -j. Okay, in that case, you don't insist on the final j. Uh, fromage, un fromage, all right. then une salade, un dessert, un café, all right. So, une salade, same thing here. Final e, uh, you don't insist on it. It only gives you the pronunciation of the previous letter. So d, salade salade, okay? une salade, un dessert, ok, so remember that we've got here two s, ok, that's the reason why you pronounce it s, and then it opens the e, uh, dessert, un dessert, so you don't say un dessert, mais okay? but you say un dessert, final t not pronounced, un dessert, all right? un café OK, remember, accent aigu here, un café, un café. OK, so you've got everything now to talk about les plats. OK, have a great day. Uh, YouTube.com slash imagier, that's the channel, and then the website imagier.net. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And this is Unité 7, Leçon Q. and in this lesson we'll discover some vocabulary and it will concern beauté et hygiène. so let's start now. la beauté. une brosse. un démaquillant. un peigne. un poudrier. okay, so let's see them. One more time, la beauté. Remember, we've got this combination of e uh, a u here of the the vowels, okay? But then it will give you the sound o oh, beauté, okay? La beauté. All right. Then une brosse. Remember, don't insist on this final uh, brosse. Un démaquillant. So we've got this q u, but then u is not pronounced. So you get the sound ki. Okay? And then remember double L after E will give you the sound ye ye ye. Démaquillant. Final T not pronounced. Démaquillant. Okay? And this is nasal in your nose. démaquillant. Then un peigne. Final e you don't insist on it. It's gn the last sound. And then this E -I combination will give you this e. Open est un peigne, All right? Un poudrier. Okay, remember O U ou pou poudrier, All right? Un bigoudi, un fer à friser, un gant de toilette, un gel, un sèche-cheveux. Okay, so let's see them. Un bigoudi. It's quite funny to pronounce, isn't it? Bigoudi. Okay, but not difficult. Un fer à friser. Un gant de toilette. Remember, G-A goes like ga. Okay, g g g. But in that case, you've got this A-N, so it's nasal gant. And then final T is not pronounced here. Un gant, gant, de toilette. Un gel, un sèche. So this one is a bit tricky. So remember, we've got this E accent grave here. So it's really open. E, sèche. Sh -sh, okay, sèche. And then cheveux. Usually this one is a bit of a problem because some of the students normally pronounce it cheveux. Okay, so try to keep in mind that you've got E U here. So it goes like E. Uh, Okay, and then final X not pronounced. Sorry, final X <laughs> should pronounce it the French way. Final X is not pronounced, so you get che, and then you get v. Okay, cheveux. Okay, and the full thing un sèche cheveux. All right, une laque, une hygiène. un crayon à lèvres un rouge à lèvres un maquillage all right so let's see them une lac remember the rule when you get this q u well u is not pronounced so you get k like that une lac une hygiène so remember we've got this y here vowel and it's pronounced like e E E E okay, Hygiène. H doesn't exist, H doesn't exist in French. So hygiène. Un crayon à lèvres. Final S not pronounced. Lèvres. Okay. And then when you get this Y between two vowels, then you will have this cré. So like if you would have I here, A I cré. and then another e here yon »,« crayon un crayon à lèvres un rouge à lèvres same thing here final s not pronounced and then this e accent grave here it gives you the a really open sound lèvres all right un maquillage okay so here same same rule q u but then u is not pronounced so qui and then y y maquillage une crème hydratante un coupe-ongles un vernis à ongles un parfum un shampoing Ok, so let's cover them together une crème hydratante so remember H is not existing, and then this Y is pronounced like I. Hydratante, okay? Don't insist on the final E. And this is nasal. Hydratante. Un coupe-ongles, okay? O N, remember nasal on, ongles. Un coupe-ongles. Un vernis à ongles. Final S here not pronounced. Same thing here. Verni A ongle, un parfum. So remember, even if you've got this um like that, phonetically it's exactly the same thing as if you would have un. So it's nasal and it's un. So it really goes in your nose. You don't pronounce the m at all. Un. Okay. So par, fin, parfum. Okay un parfum and then un shampoing okay this is a strange one really try to listen to me and repeat so maybe you shouldn't <laughs> visualize the, the the word but still it goes like shampoing okay shampoing one more time shampoing okay the, the full thing shampoing okay that's it if you want more videos, then youtube.com slash imagier, and the, the website is here imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And this is Unité 8, Leçon A. And we'll start this unit with vocabulary. And the topic is au café, so quite useful. Un serveur. Une table. Une terrasse de café, un crème, un noir, un expresso. Ok, so one more time, un serveur, une table, une terrasse de café, un crème. Remember, uh, accent grave. Eh, eh, un crème, un noir. Un expresso. okay. remember, we've got this X here. Ex-expresso. Ok. Un cappuccino. Un chocolat chaud. Un café glacé. Un thé. Un thé vert. Un thé blanc. Alright, so... Un cappuccino. Not really difficult to produce. Un chocolat chaud. Remember ch ch chaud chocolat and then final t not pronounced chaud final t not pronounced un café glacé un thé remember h is not pronounced un thé vert final t not pronounced un thé vert un thé blanc final c not pronounced un thé blanc okay un thé nature, une tisane, une camomille, un thé au lait, un thé au citron, un thé glacé. Un thé nature, une tisane, une camomille. So remember when we get this I e and then double L, it goes like ye ye. Mille, mi, camomille. Une camomille, un thé au lait, final thé not pronounced, un thé au citron, un thé glacé, un jus d'orange, un jus de pomme, un jus de tomate. All right? Un jus d'orange, un jus de pomme. In most of the cases. French people will pronounce it like un jus de pomme. D, d, jus de pomme. Alright? And then, same thing here, un jus de tomate. Okay, so you don't insist on the d. Jus de, jus de, de tomate. I <laughs> know it's quite difficult to produce, but still try. So, un jus d'orange, here it's not difficult. Un jus de pomme, un jus de tomate. Okay? That's it for this. Short but useful lesson. If you want more videos, it's here: youtube.com/imagier, and then the website is waiting for you: imagier.net. Have a great day! Bye bye. Bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent. And this is Unité 8, Leçon B. And in this lesson, so previously we just saw in the Leçon A uh, at the café au café, and then well. logically, we'll, so for this, we'll see for this uh, second lesson. au restaurant. okay, so let's start now. une table. un verre. une assiette. une assiette plate. une assiette creuse. okay, so let's see them one more time. une table. un verre. une assiette. une assiette plate. Une assiette creuse. Une assiette à dessert. Une serviette. Une fourchette. Un couteau. Une cuillère. So let's repeat them. Une assiette à dessert. Une serviette. Une fourchette. Un couteau. Une cuillère. Une cuillère à soupe, un garçon, un menu, une carte des vins à la carte. Une cuillère à soupe, un garçon. Remember when we get this cédille beneath the C, it will give you the pronunciation S of C. So instead of As it should be with O. Okay. So, un garçon, un menu, une carte des vins, à la carte, une addition, un reçu, un pourboire. Une addition, un reçu, un pourboire. And that's it for uh, le restaurant. If you want more lessons and more videos, then youtube.com slash imagier is here, and then the website imagier.net uh, can find, find more material, and it's waiting for you. Have a great day. Bye-bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent, and this is Unité 8, Leçon C. And in this lesson, we'll work on le poisson, so it will be a... Uh, vocabulary lesson okay so let's start now le ton la dorade la morue le saumon le bar let's repeat them le ton remember h here is not pronounced le ton la dorade la morue final e uh, » not pronounced. le saumon. o n. remember nasal in your nose. saumon. le bar. le merlan. la raie. la sardine. l'aigle fin. la limande sol. okay. so. le merlan. la raie final e uh, not pronounced la sardine you don't insist on the final e uh, it only gives you the n, n pronunciation sardine l'aigle fin la limande sole la sole l'espadon la truite le macro la lot la sol, same thing, don't insist on the final e, okay? It only gives you the l sound, Sol. L'espadon, o-n in your nose, nasal, on, espadon. La truite, same thing here, final e, not pronounced, t, la truite. Le macro, so technically this que, just pronounce it, k, mac, mac macro, macro. Alright, and then e, a, u. Remember when you combine these three vowels, you get the sound o, macro. Okay, and then la lotte, final e, not pronounced, lotte, lot. Okay, la lotte. Alright, so that's it. You've got many words now if you want to talk about fish, les poissons. If you want more videos, then youtube.com slash imagier and then imagier.net. The website. If you want more material, have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent. And this is Unité 8, Leçon D. And in this lesson, we'll still work on vocabulary as we did previously in the previous lessons. And we'll cover in this lesson les céréales, l'avoine, le blé. le maïs, le millet. So let's repeat them. L'avoine, remember, not insist on the final e. L'avoine, le blé, here accent aigu et le maïs. So here you get this tréma, so maïs, maïs, and then you pronounce the final s, maïs. Le millet, here E, and then double El, so yé, yé, mié, e à the end, open, mié. Lorge, le quinoa, le son. Let's repeat, lorge, le quinoa, le son. And that's it. Really short but quite useful. More videos: youtube.com/imagier, slash and then more material here: imagier.net. Have a great day! Bye bye. Bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent. And this is Unité 8, Leçon I. And in this lesson, we'll work on vocabulary for a change because we've been doing grammar. quite much. so the topic is la géographie. l'europe. okay, so i did put this f just to give you the information that it's feminine, okay, because it doesn't show here with the article. l'europe. l'asie. l'afrique. l'amérique du nord. l'amérique centrale. l'amérique du sud. Okay, so let's see them one more time. L'Europe. Remember this final E, it's not really present. So it only gives you the possibility to pronounce this P, PP P at the end, okay? Europe. L'Asie. Same thing here. Final E is not pronounced. L'Afrique. Same thing here. Final E, it's only the K, K at the end that you will hear. L'Afrique. Okay? Amérique, same thing as Afrique. Amérique. Du Nord, final day not pronounced. L'Amérique du Nord. L'Amérique centrale. Same thing here. Centrale. Remember, E N nasal. So it goes in your nose. On on. Centrale. All right. L'Amérique centrale. L'Amérique du Sud. Here you should pronounce the D. Sud. Sud. Okay. L'Amérique du Sud. L'Europe, right. so l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Australie, l'Océanie, l'Antarctique, l'Eurasie, l'océan Atlantique, l'océan Pacifique. Okay, so let's see them one more time. L'Australie, final e uh, not pronounced. L'océanie, final e uh, not pronounced. Remember, Q U E here, it's K. Okay, so tic. L'Antarctique, l'Antarctique. L'Eurasie, final e uh, not pronounced. L'Eurasie. Okay, same thing here for the Ic. Okay, l'Océan. Atlantique, At Atlantique, Atlantique, l'océan Pacifique, l'océan Indien, l'océan Arctique, la mer du Nord, la mer de Chine, la mer des Antilles, la mer Méditerranée. Okay, so let's see them. L'océan indien. So remember, here it's Nazar and it can be quite tricky. So you, first you've got this 1 here and then you've got this yin. Yin. Okay, indien. L'océan indien. L'océan arctique. Remember, tic. Ic. La mer du Nord. Final day, not pronounced. La mer de Chine. Remember, don't insist on the E chin okay and then this ch 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 chin all right la mer des antilles so here it's quite interesting because well you've got this e and then double l -E s okay so final s and e, really you don't pronounce them so you get this e e sound antilles okay la mer des antilles the liaison between the two des antilles la mer des antilles la mer Méditerranée. Ok, here final E, uh, not pronounced, but then you pronounce this E at the end. Méditerranée. Ok, la mer Méditerranée. La mer Rouge. La mer Caspienne. La mer Noire. La mer de Bering. Ok, so la mer Rouge. Remember, j'ai. And then e j j rouge, okay? la mer rouge, la mer Caspienne, ok e uh, and then double consonant here and it's the same n n so it does open the sound here so it's e eh, e eh. Caspienne Caspienne, ok then here la mer noire same thing here that we had previously, final, uh, not pronounced, okay? And then O E. remember, wa-wa-wa, noir, noir. La mer noire, okay? La mer de Bering. That's it for this lesson. It was quite short, but I hope it was relaxing and in interesting. So the, if you want more videos, then youtube.com slash imagier, that's here. And then if you want to send me a little message, then imagier.net, or then find more material. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent and this is unité 8 leçon j and in this lesson we'll see some vocabulary and we'll see la météo so i hope it's okay with you let's start right now. La météo. Un nuage. Une pluie. Une goutte de pluie. Un éclair. Une brume. Un brouillard. All right, so let's see them one more time. Un nuage. Une pluie. Une goutte de pluie. Un éclair. So you can see I make this little liaison between the two. Un éclair. Une brume. Un brouillard. Final day not pronounced. Une rosée. Un verglas, un ciel clair, un ciel couvert, un ciel nuageux, une bruine, so let's see them. une rosée, final, uh, not pronounced. un verglas, final s not pronounced, un verglas, un ciel clair, un ciel couvert. Final T, not pronounced. Un ciel couvert. Un ciel nuageux. This can be quite tricky, but take the time to... nu a je Remember, final X here, not pronounced. nu a je. Okay. Nuageux. Un ciel nuageux. Okay. Une bruine. Une pluie. Une neige, une averse, un orage, un ouragan, une averse de grêle, une pluie, final e uh, not pronounced, une neige, une averse. So same thing here, une uh, neige, final e uh, not pronounced, you only pronounce this j, same thing here, averse, okay, s is pronounced. the e is not pronounced un orage same thing here j okay not the e un ouragan so liaison here like we had here as well une averse de grêle all right so i wanted to put them with the uh, the article un ou une to make it more clear but it's uh, clear that in some cases uh, well you will have to use the instead of a, so le or la, okay, instead of un ou une. But it's, it was just to make it more clear that I wanted to use only un ou une. And after that, you can decide whether you want to use uh, this article or the other one, okay? So this is it for this lesson. YouTube.com slash image is the place where you can go to find more videos. And the website is here, more material. And then you can send me a little message. Thank you. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent, and this is Unité 8, Leçon K. And in this lesson, we'll discover together, if it does arrive, yes it does, les climats. Okay, so it will be a short one, vocabulary one, but still it's quite interesting. Let's see that. Les climats. Les climats tropicaux. Les climats tempérés. Les climats polaires. Okay, so les climats tropicaux. So you can see that even if we've got the plural form here, S, we don't pronounce the S, and then we don't pronounce the T either. Les climats tropicaux. Final X, not pronounced. Les climats tempérés. Final S, not pronounced, but then you should definitely pronounce the accent. Tempérés. Okay? Les climats polaires. So same thing, same thing here. E uh, and S are not pronounced. Polaires. Okay. Les climats continentaux. Les climats subtropicaux. Les climats de montagne. Les climats subarctiques. Okay, so les climats continentaux. Remember, final X, not pronounced, and then this A, U together, they give you the sound O. Okay. Les climats subtropicaux les climats de montagne so remember here o n m o n t a and then this GNE n e n -N, montagne all right les climats subarctiques all right so it was just to practice pronunciation uh, if you want more videos then whoops it's here youtube.com/imagier and the website is here imagier.net more material is waiting for you have a great day bye bye Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and this is Unité 12, leçon A and in this lesson we'll see together le corps humain donc le vocabulaire concernant le corps humain, le tube digestif, le tube digestif, l'articulation. L'articulation La bouche La bouche Le bras Le bras La cage thoracique La cage thoracique Le cerveau Le cerveau. Les cheveux. Les cheveux. La cheville. La cheville. La clavicule. La clavicule. Le cœur. Le cœur. La colonne cervicale. La colonne. Cervicale. La colonne dorsale. La colonne dorsale. La colonne vertébrale. La colonne vertébrale. La côte. La côte. Le cou. Le cou. Le coude le coude le crâne le crâne la cuisse la cuisse la dent la dent le doigt le doigt le dos. Le dos, l'épaule, l'épaule, l'estomac, l'estomac, le foie, le foie, le front, le front, le genou, le genou. L'intestin, l'intestin, la jambe, la jambe, la joue, la joue, la lèvre, la lèvre, la mâchoire, la mâchoire, la main. La main, le membre, le membre, le menton, le menton, le muscle, le muscle, le nerf, le nerf, le nez, le nez la nuque la nuque l'œil l'œil l'ongle l'ongle l'oreille l'oreille l'orteil l'orteil l'os l'os la paume de la main La paume de la main La phalange La phalange Le pied Le pied La plante du pied La plante du pied Le poignet Le poignet le poing, le poing. Le pouce, le pouce. Le pou, le pou. Le poumon, le poumon. Le rein, le rein. Le sang, le sang. Le talon Le talon La tempe La tempe La tête La tête Le thorax Le thorax Le tibia Le tibia Oups! I made a mistake here it should be masculine sorry about that le ventre le ventre and that's it if you want more videos then youtube.com/imagier and then like me on facebook i will be so happy remember you can find more material at the following address www.imagier.net have a great day bye bye Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is unité 13, leçon L. And in this lesson, we will see vocabulary and it will concern le repas. OK, so let's start now. Un potage. Un potage. Un potage. Une soupe. Une soupe soupe une soupe un bouillon un bouillon un bouillon un rôti un rôti un rôti un, rôti. un ragoût un Ragoût, un ragoût. Un soufflet. Un soufflé. Un soufflé. Une quiche. Une quiche. Une quiche. Un shish kebab, or un kebab un kebab un kebab un shish kebab un shish kebab une boulette de viande une boulette de viande une boulette de viande une omelette une omelette, une omelette, un sauté, un sauté, un sauté, une salade verte, une salade verte, une salade verte. Une salade verte. Une salade composée Une salade composée Une salade composée Des pâtes Des pâtes Des pâtes, Des pâtes. Du riz Du riz du riz. Une vinaigrette. Une vinaigrette. Une vinaigrette. Une entrée. Une entrée. Une entrée. Un plat principal. Un plat principal. Un plat principal. Un accompagnement. Un accompagnement. Un accompagnement. Un fromage. Un fromage. Un fromage. Un, fromage. Un dessert. Un dessert un dessert Whoops, <laughs> and that's it if you want more videos then youtube.com slash imagier and then uh, if you want to like me on facebook it's right here the website if you want more material www.imagier.net is waiting for you have a great day bye bye Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent, this is unité 13, leçon 10. And in this lesson, we'll continue this series of uh, vocabulary lessons, and in this lesson, we'll see les produits laitiers. Okay, we've got a translation here in English. So, les produits laitiers, let's start right now. Un lait entier. Un lait entier. Un lait entier. Um un lait de un un bornes, de de un demi écrémé. un lait demi écrémé. un lait demi écrémé. un lait écrémé. un lait écrémé. un lait écrémé. un beurre. Un beurre, un beurre. Une margarine. Une margarine. Sorry. <laughs> Une margarine. Well, this one is, was, was not too difficult anyway. Une crème. Une crème. Une crème. Une crème. Une crème allégée. Une crème allégée, une crème allégée. Une crème épaisse. Une crème épaisse, une crème épaisse. Une crème, épaisse. Une crème fouettée. Une crème. Épaisse fouetter, une crème fouettée, une crème fraîche, une crème fraîche, une crème fraîche, un yaourt, un yaourt, un yaourt, une glace. Une glace, une glace. Un fromage. Un fromage, un fromage. Un fromage à pâte molle. Un fromage à pâte molle. Un fromage à pâte molle. Oups. Oh Un fromage à pâte semi-molle. Un fromage à pâte semi-molle. Un fromage à pâte semi-molle. Un fromage à pâte pressée non cuite. Un fromage à pâte pressée non cuite. Un fromage à pâte pressée non cuite. Un fromage à pâte pressée cuite. Un fromage à pâte pressée cuite. Un fromage à pâte pressée cuite. Un fromage à, Un fromage à la crème. 1. Fromage à la crème. Un fromage à la crème. Un fromage frais. 1. Fromage, fromage frais. Un fromage frais. Un fromage râpé. 1. Fromage râpé. un fromage râpé And that's it if you want more videos then youtube.com/imagier slash waiting for you like me on facebook i will be so happy and it's right here and the website is waiting for you www.imagier.net have a great day bye bye Bonjour à tous and welcome to learn french with Vincent this is unité 13 leçon n and in this lesson we'll see together les œufs. So, it will be a short one, but uh, I think it's quite useful in some cases to only focus on the little, little thing, okay? So, after that, everything is clear. The first one that we'll see is oeuf. un œuf. Un un And the tricky thing when we're talking about eggs is that if you listen carefully, the pronunciation is changing quite much because for the singular form, it's œuf, but then for the plural form here, it's oeufs. okay? Des oeufs. Des oeufs. Des oeufs. Un oeuf de poule. Un oeuf de poule. Un oeuf de poule. Un oeuf de canne. Un œuf de canne – un œuf de canne un œuf de caille un œuf de caille – un œuf de caille un œuf-doigt un œuf-doigt – un œuf doigt une coquille. Une coquille. Une coquille. Le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf. Le jaune d'œuf. Le jaune d'œuf. le jaune oops. And that's it. If you want more videos, then youtube.com slash imagier is waiting for you. Then like me on Facebook, I will be so happy. And it's right here, the website www.imagier.net is still waiting for you. If you want more material, have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is unité 13, leçon O. Et in this lesson, we'll see together, so it will be a vocabulary uh, video lesson, and we'll see les herbes. Okay, so let's start now. Le fenouil. Le fenouil. Le fenouil. La feuille de laurier. La feuille de laurier. La feuille de laurier. La feuille de laurier. Le persil. In some cases, you can hear persil, okay, but normally it should be le persil. Le persil. Le persil. La ciboulette. La ciboulette. La ciboulette. La menthe la menthe la menthe le thym le thym le thym la sauge la sauge la sauge l'estragon L'estragon La marjolaine La marjolaine la marjolaine Le basilic Le basilic Le basilic L'origan. L'origan La coriandre La coriandre la coriandre L'anette L'anette Le romarin Le romarin. Le romarin. Et voilà. If you want more videos, then youtube.com slash imagier. Uh, I'm also on Facebook, so it's right here if you want to like me. And then more material can be found right here, www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 13, leçon P. And in this lesson, we'll continue our vocabulary series of videos. And in this video, we'll see les haricots et les pois. Okay? So you've got the translation in English right here. Let's start now. Un haricot vert. Un haricot vert. Un haricot vert. Un haricot grimpant. Un Haricot grimpant. Sorry. Un haricot grimpant. Une fève. Une fève. Une fève. Un gros haricot blanc. Un gros haricot blanc. Un gros haricot blanc. Un haricot blanc. Un haricot blanc, un haricot blanc. Un haricot rouge. Un haricot rouge, un haricot rouge. Une graine de soja. Une graine de Soja, une graine de soja. Un haricot à œil noir. Un haricot à œil noir. Un haricot à œil noir. Un flageolet. Un flageolet. Un flageolet. Une lentille. Une lentille. Une lentille. Une lentille rouge. Une lentille rouge. Une lentille rouge. Un pois chiche. Un pois chiche un poids chiche un poids cassé un poids cassé un poids cassé et voilà if you want more vidéos then youtube.com/imagier and then remember that you can like me on facebook i'm right here And more material can be found at the following address www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 13 Leçon Q. And we'll continue our series of uh, videos that will focus on uh, the vocabulary. And in this video, we'll see les poissons. So a quite useful one. une lotte une lotte une lotte un maquereau un maquereau un macro un espadon un espadon un espadon Une sol. Une sol, une sol. Une limande sol. Une limande sol, une limande sol. Un aigle fin. Un aigle fin un aigle fin une sardine une sardine une sardine une raie une raie une raie un merlan un merlan un merlan un bar un bar un bar un saumon un saumon un saumon une morue une morue, une morue. Une dorade, une dorade, une dorade. Un ton, un ton, un ton. Un rouget barbet. Un rouget barbet, un rouget barbet. Un flétan. Un flétan. Un flétan. Une truite arc-en-ciel. Une truite arc-en-ciel. Une truite arc-en-ciel. And this is it. If you want more videos, then youtube.com/imagier and then I'm also on Facebook, so check the address. It's right here. And then more material can be found at the following address. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous et welcome to learn French avec Vincent. This is unité 14 leçon B. and uh, well, someone actually uh, asked me if it would be possible to cover um, well, medical terms and uh, well, no problem. i'm always happy to tr try to help you so uh, i've been thinking about uh, making few videos covering this topic because it's quite big uh, and then this is the first one. so let's start now. la médecine. une analyse de sang. une analyse d'urine. Un bêta-bloquant. Un contrôle négatif. Un contrôle positif. Contrôler. Un contrôleur médical. Un dépistage. Dépister. Un diurétique. Doser. Une éprouvette. Un examen anabolique Une hormone Un laboratoire Une oxygénation Un prélèvement Un échantillon Prélevé Une prévention Un résultat Un test. Une transfusion sanguine, des vitamines. And that's it for the first part. If you want more videos, then youtube.com/imagier. Keep in mind that the next video will cover the same topic. Okay? Uh, like me on Facebook if you want. It's right here. And then if you want more material, then no problem. www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 14, Leçon C. And in this lesson, we'll cover uh, well, it will be the second part of this uh, la médecine topic, so medical terms, okay. And um, normally, the full thing will cover four videos, so after this one, uh, two more, and uh, that will be it, okay. And in that video, we'll see le corps humain, so human body. Let's start now. Un abdomen, un ventre. Sorry, I forgot to put the, the article here, but it's masculin. Un ventre. Un abdomen, un ventre, un estomac. Une haine. Une aisselle. Une arcade sourcilière. Une articulation. Une bouche un bras une capacité respiratoire un cerveau des cheveux une cheville une clavicule un cœur une colonne cervicale une colonne dorsale. Une colonne dorsale, une colonne vertébrale, un rachis, une côte, un cou, un coude, un crâne, une cuisse, une dent, un doigt, un dos, une épaule. S'essouffler Une expiration, expirer Un foie, un front, un genou, une inspiration, inspirer Un intestin, une jambe, une joue, une lèvre, un ligament. Une lombaire, une mâchoire, une mâchoire inférieure, une main, un membre, un ménisque, un menton, le milieu du mollet, un muscle, un muscle abducteur, un muscle abducteur. Un muscle extenseur un muscle fléchisseur les muscles abdominaux les muscles pectoraux un nerf un nez une nuque un oeil une omoplate un ongle une oreille un orteil un os la paume de la main une phalange un pied une plante de pied un poignet un poing un pouce un pouls, un poumon un rein une respiration respirer le sang le système cardiovasculaire le système digestif le système nerveux le système respiratoire un talon une tempe un tendon un tendon d'Achille une tête un thorax un tibia un torse un torse une poitrine un tronc un ventre une vertèbre une vessie un visage and that's it it was a long list but quite useful i hope if you want more videos then it's right here don't forget to like me on facebook the address is here And then if you want more material then www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent. This is unité 14 leçon D and it's the third part of this uh, series of videos that will uh, or that cover the um, medical terms so la médecine and in that case les maladies. Let's start now. Un alitement Une angine, une appendicite, une asphyxie musculaire, une bronchite, une brûlure, une congestion, une constipation, une contagion, une convalescence, une crampe d'estomac. Une déshydratation Se déshydrater une diarrhée, une dysenterie, une douleur, une fièvre, une gastralgie, une grippe, une indigestion, une indisposition, une infection, une inflammation. Oups, sorry, my mistake here, feminine. Une insomnie, un limbago, un ou une malade, un malaise, des maux de dents, des maux de tête, des maux d'estomac, un microbe, une nausée, une névralgie. Une palpitation cardiaque, une pharmacie, une pneumonie, un refroidissement, un rhumatisme, un rhume, une toux, un virus, un vomissement. And that's it. If you want more videos, then youtube.com slash imagier. And then I'm also on Facebook at the following address. Et si vous voulez plus de matériel, www.imagier.net. Have a great day, bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 14, leçon E, and we'll finish this series of videos that cover um, the medical terms, la médecine. And it's numéro 4, les blessures. So let's start now. Une ampoule au pied. Un arrêt cardiaque. Une articulation déboîtée une asphyxie un bandage bandé un blessé une blessure une blessure grave une blessure légère une bombe cryogénique un bouche à bouche un choc. Un claquage, un coma, une compresse, une contusion, une échymose, un coup de chaleur, un coup de soleil, une coupure, une courbature, une crampe, une contracture, une déchirure, une rupture. Une déchirure musculaire. Demander du secours. Une écorchure. Une élongation musculaire. Une élongation tendineuse. Une enflure. Un épanchement, un écoulement. Un épuisement. Un essoufflement. Une fatigue. Une foulure, une entorse, une fracture, une fracture de fatigue, une fracture ouverte, un garrot, un hématome, une hémorragie, une hyperthermie, une hypoglycémie, une hypothermie. Un infarctus. Une injection intramusculaire. Une injection intraveineuse. Une insolation. Une intervention chirurgicale. Une opération. Une irritation. Une luxation. Un déboîtement. Un œdème. Opérer. Un pansement. Penser perdre connaissance une plaie une plaie ouverte un plâtre plâtrer un point de côté une pommade pratiquer un garrot les premiers secours une réanimation réduire une fracture. Un saignement Saigner Secourir Porter secours Les secours Les soins complémentaires Une souffrance Souffrir Une subluxation Une syncope Une tendinite Une tétanisation Tétanisé, tordu, déboîté, une victime. And that's it. If you want more videos, then youtube.com slash is waiting for you. Like me on Facebook if you want, it's right here. And then more material can be found at the following address. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. Uh, in this lesson we will discover vocabulary and the theme that we will see or discover together is accessoire de bureau. Okay so the idea is that all the words will be at the plural form but then don't worry I will tell you whether they are masculine or feminine and so we can start now. Accessoire pour classeur ou fichier. Okay so accessoire Masculin, classeur, masculin, un fichier, masculin. Crochet et œillet. Remember, œillet, we pronounce it like that. Crochet, masculin, œillet, masculin. Article religieux. Okay. un article, so it's masculine. and then religieux, here you've got the adjective. aménagement divers. aménagement un aménagement. fourniture pour blanchisserie. Ok, fourniture féminin. blanchisserie féminin. Tableau noir. Tableau masculin noir. So we've got the adjective here, and you can see that it's at the masculine and plural form. Éponge à effacer pour tableau noir. Éponge féminin, tableau masculin. Ardoise d'écolier ardoise féminin écolier masculin Instrument de dessin Instrument masculin dessin masculin Instrument d'écriture Instrument Masculin, écriture, féminin. Règle, féminin. Produits artificiels. So, I did make this little liaison between the two. Produits artificiels. Produits masculins, artificiels. Here, it's the, the adjective. Okay, and then you can see it's masculin, pluriel. Fruits artificiels. Same thing here, little liaison. Fruits artificiels. Fruits masculins, artificiels. So, same thing as previously, Adjective, So, it's masculine and plural form here. Fleurs artificielles. Fleurs féminin. So, little liaison as well. Fleurs artificielles. Okay. And you can see here that the adjective. Artificiel, phonetically it's the same as previously but then you should put the feminine form so it's L L E S. Gazon artificiel, gazon masculin and the adjective goes like masculin without the S so without the plural because it's singular. Pelouse artificiel, pelouse féminin. Danube this artificiel, féminin singulier here. Bijouterie de fantaisie. Bijouterie, féminin, fantaisie, féminin. Appareil et équipement de démonstration. Appareil masculin, équipement masculin, démonstration masculin. Uh, sorry, féminin. Oh my god. <laughs> yeah, in most of the cases, this sion ending is feminine. Produit d'information et de promotion. Produit masculin, information féminin, promotion féminin. So, as I told you previously, sorry, this sion ending, in most of the cases, these words will be feminine. And that's it for this video. If you want more videos then youtube.com/imagier and then www.imagier.net if you want more material. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary video in which we will discover together les accessoires d'habillement. Okay, so most of these words will be at the plural form, but then don't worry, I will tell you whether they are masculine or feminine. Okay, so let's start now together. And then the first one is mouchoir, mouchoir masculin. Écharpe, écharpe féminin. Cravate, cravate, féminin. Gant, gant masculin. Gant jetable, gant masculin. And then you get this jetable, it's the adjective here moufle moufle féminin gants à crispins gants masculin. ceinture ceinture féminin cartouchière here you've got this accent grave here you should pronounce it e, cartouchière féminin and that's it if you want more videos then youtube.com slash imagier and then more material can be found there imagier.net have a great day bye bye bonjour à tous and welcome to learn french with vincent and this is a vocabulary video lesson and we'll discover in this video accessoire pour instruments de musique Okay and then don't worry because in most of the cases these words will be without uh, the articles but then I will tell you whether they are masculine or feminine and let's start now métronome métronome masculin anche anche féminin accessoire pour instrument à corde accessoire masculin instrument masculin, corde féminin. Cordes ou médiator pour instrument. Cordes féminin, médiator masculin, instrument masculin. Accessoire pour instrument à percussion accessoire masculin instrument masculin percussion féminin sacoche étui ou accessoire pour instrument de musique sacoche féminin étui masculin accessoire masculin instrument masculin musique féminin Trépied ou porte partition pour instrument de musique Trépied masculin porte partition masculin instrument masculin musique féminin pièce pour instrument de musique pièce féminin instrument masculin musique féminin cheville cheville féminin boîte ou mécanisme à musique boîte féminin mécanisme masculin musique féminin embouchure embouchure féminin Sourdine, sourdine féminin, diapason droit, diapason masculin, baguette de chef d'orchestre, baguette féminin, chef masculin, orchestre masculin. Support rembourré pour piccolo. Support, masculin piccolo, Masculin And that's it for this video. If you want more videos, then YouTube.com/imagier slash and it's waiting for you. And the website, if you want to see more material, or then send me a little message. It would be nice. Imagier.net is waiting for you. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary video lesson in which we'll discover together accessoires pour matériel audio et vidéo. Okay. Uh, in most of the cases, you won't have the articles with the words, so I will tell you whether they are masculine or feminine. So I will say masculin ou féminin. Okay. So let's start now. Accessoire. pour matériel audio et vidéo. Accessoires masculins, matériel masculin. Matériel de montage vidéo. Matériel masculin, montage masculin. Écran. Écran masculin. Accessoires pour matériel audio accessoire masculin matériel masculin cassette audio cassette féminin antenne et réflecteur antenne féminin réflecteur masculin pièce pour matériel radio et radar pièce féminin matériel masculin radar masculin pièces détachées et accessoires pour radar pièces féminin accessoires masculin radar masculin enregistrement sonore enregistrement masculin disque Disque masculin. Cassette musicale. Cassette féminin. Film. Film masculin. Film de radiologie. Film masculin. Radiologie féminin. Film radiographique. Film masculin film diazo film masculin film cinématographique film masculin pellicule photographique pellicule féminin pellicule à développement instantané pellicule Féminin développement masculin film vidéo film masculin cassette vidéo cassette féminin bande vidéo bande féminin pellicule rétractable pellicule féminin. Matériel d'interphonie. Matériel masculin, interphonie féminin. And that's it for this lesson. If you want more videos, then youtube.com slash imagier and then more material can be found there www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary video lesson in which we'll discover together achat et vente de biens immobiliers. Okay, so in most of the cases, we won't have the articles uh, for the words, but then I will tell you whether they are masculine or feminine, and it will give me the opportunity to repeat them one more time. Okay, so it's quite useful. So let's start now. Achat et vente de biens immobiliers. So you can see I make the liaison here. Biens immobiliers. Ok? Achat masculin, vente féminin, bien masculin, and then you've got the adjective immobilier de masculine plural form. Ok? Service de vente ou d'achat d'immeubles. Service masculin, vente féminin, achat masculin, immeuble masculin. Service de vente d'immeubles. Service masculin, vente féminin, immeuble masculin. Service d'achat d'immeubles. Service masculin, achat masculin, immeuble masculin service de vente ou d'achat de terrain service masculin vente féminin achat masculin terrain masculin service de vente de terrain service masculin vente féminin terrain masculin service de vente de terrain libre service masculin vente féminin terrain masculin and then you've got the adjective libre here service d'achat de terrain service masculin achat masculin terrain Masculin. Service d'achat de terrain libre. Service masculin. Achat masculin. Terrain masculin. Libre. Adjectif. Vente de biens immobiliers. Immobilier. Vente féminin. Bien masculin and then you get this immobilier form here and it's adjectif and masculin pluriel vente de biens immobiliers à usage résidentiel vente féminin bien masculin usage masculin Et then you get résidentiel adjective masculine singular form Vente de biens immobiliers à usage non résidentiel. Vente, féminin, bien, masculin, usage, masculin. And that's it for this video. If you want more videos, then YouTube.com/imagier and more material can be found at the following address: www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary lesson. And in this lesson, we'll see together les appareils ménagers électriques. So, a quite useful lesson. Remember that I will tell you whether these words are masculine or feminine, and then uh, we'll check the translation if you want to see that if they are at the singular or plural form. Okay, and so we can start right now. Appareil électrodomestique pour la cuisine. Appareil masculin cuisine féminin. Congélateur. Congélateur masculin. Congélateur bahut. Congélateur masculin bahut masculin. Congélateur ménager. Congélateur masculin. Congélateur armoire. Congélateur masculin, armoire féminin. Congélateur industriel. Congélateur masculin. Réfrigérateur. Réfrigérateur masculin. Machine pour la préparation des aliments Machine féminin préparation féminin aliment masculin robot ménager robot masculin Mixeur pour aliments Mixeur masculin aliment masculin. Appareil électrothermique, appareil masculin. Cafetière électrique, cafetière féminin. Théière électrique, théière féminin. Grippin électrique, grippin masculin. Chauffe-plat, chauffe-plat, masculin. Gaufrier, gaufrier, masculin. Four, four, masculin. Four électrique, four, masculin. Four à micro-ondes, four. Masculin Rotissoir Rotissoir féminin Foyer de cuisson Foyer masculin cuisson féminin Plaque de cuisson Plaque féminin cuisson féminin. Réchaud, réchaud, masculin. Ouvre-boîte, ouvre-boîte, masculin. Appareil électrodomestique pour soins corporels. Appareil, masculin, soins, masculin. Tondeuse à cheveux, tondeuse féminin cheveux masculin Appareil de coiffure, appareil masculin coiffure féminin Sèche-cheveux cheveux masculin. Sèche-main, main féminin, sèche-main, masculin. Lave-vaisselle, vaisselle, féminin, lave-vaisselle, masculin. Lave-linge et sèche-linge, linge masculin lave linge masculin linge masculin sèche linge masculin lave linge et sèche linge combiné lave linge masculin sèche linge masculin unité de séchage et de pressage Unité féminin, séchage masculin, pressage masculin. Compacteur d'ordure ménagère, compacteur masculin, ordure féminin. Machine d'entretien des sols, machine féminin. Entretien masculin, sol masculin Machine de nettoyage des sols Machine féminin Nettoyage masculin, sol masculin Cireuse, cireuse féminin Aspirateur. Aspirateur masculin. Accessoire pour aspirateur. Accessoire masculin. Aspirateur masculin. Faire à repasser électrique. Faire masculin. Faire à vapeur. Faire masculin. Hôte de ventilation ou de recyclage Hôte féminin ventilation féminin recyclage masculin aérateur aérateur masculin ventilateur d'aspiration ventilateur masculin aspiration féminin équipement de chauffage équipement masculin chauffage masculin matériel de chauffage central matériel masculin chauffage masculin résistance de chauffage électrique Résistance féminin chauffage masculin. Appareil électrique de chauffage au sol. Appareil masculin chauffage masculin sol masculin. Appareil électrique de chauffage des locaux. Appareil masculin. Chauffage masculin, locaux masculins. Équipement de plomberie. Équipement masculin, plomberie féminin. Pièce pour appareil électroménager. Pièce féminin, appareil masculin. Ventilateur Ventilateur masculin Appareil de conditionnement d'air Appareil masculin Conditionnement masculin Air masculin Appareil ménager non électrique Appareil masculin Appareil ménager de cuisson ou de chauffage. Appareil masculin cuisson féminin chauffage masculin. Appareil ménager de cuisson. Appareil masculin cuisson féminin. And that's it. If you want more videos, then youtube.com slash imagier. And don't forget the website imagier.net, it's waiting for you. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary video lesson. And in this lesson, we'll see together les baies. Okay, so remember that in most of the cases uh, these words will be at the plural form and uh, without any articles, but then I will tell you whether they are masculine or feminine. Okay, so let's start now. Raisin sec de Corinthe. Raisin masculin. And so you've got the adjective here, sec, the masculine form and the plural because you've got this final S. Okay? Raisin sec de Corinthe. groseille à macro groseille féminin macro masculin fraise fraise féminin framboise framboise féminin canneberge canneberge Femina, and that's it for this short video lesson. More videos can be found at the following address: youtube.com/imagier, and then the website imagier.net is waiting for you. Have a great day! Bye bye. Bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent. And this is a vocabulary video lesson, and in this lesson we'll discover together les céréales. OK? So in most of the cases you won't have the articles or any information regarding the gender, but I will tell you whether it's masculin or féminin, OK? So let's start now, but then for your information, céréale féminin. Blé. Blé masculin. Blé dur. Blé dur masculin. blé tendre blé tendre masculin maïs maïs masculin riz riz masculin orge orge masculin seigle seigle masculin avoine, avoine, masculin, malt, malt, masculin, and that's it for this short but useful video lesson. Uh, if you want more videos, then YouTube.com/imagien. slash That the website is waiting for you. www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. and This is a vocabulary video lesson in which we will discover together les confitures. Okay, les confitures. So in most of the cases, uh, all these words will be without articles, so it does mean that you won't have any clue whether they are masculine or feminine. But don't worry, I will tell you. Okay. So by the way, confiture, féminin. Confiture d'abricot, confiture féminin, abricot masculin. Confiture de mur, confiture féminin, mur, féminin. Confiture de cassis, confiture féminin, cassis, masculin confiture de cerise confiture féminin cerise féminin confiture de framboise confiture féminin framboise féminin confiture de fraise confiture féminin fraise féminin And that's it. If you want more videos, then youtube.com slash imagier, and then the website is waiting for you, www.imagier.net. Have a great day. Bye-bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary lesson, and in this lesson, we'll see together équipement. Pour sport de plein air. Okay, so keep in mind that I will tell you whether the words are masculine or feminine. So I will say masculine or féminine. Okay, and uh, keep in mind that uh, it's quite funny because in many cases, French uh, people or then French language doesn't really translate any uh, sports coming from uh, English. So you will see. Let's start now. And yeah, it starts right now. So balle de baseball. okay, so remember the french will pronounce it their own way. so baseball. balle de baseball. balle féminin. baseball masculin. écran arrière ou clôture pour le baseball. écran masculin. clôture féminin. baseball masculin. Base de baseball, base féminin, baseball masculin. Batte de baseball, batte féminin, baseball masculin. Aide à la frappe pour le baseball. Aide, féminin, frappe féminin, baseball masculin. Gants de baseball Gants masculin baseball masculin Protection pour le baseball ou le softball protection féminin baseball masculin softball masculin hockey sur gazon hockey masculin gazon masculin balle de hockey sur gazon balle féminin hockey masculin gazon masculin cross de hockey sur gazon cross féminin hockey masculin gazon masculin Ballon de football américain. Ballon masculin, football masculin. Traîneau de blocage pour le football américain. Traîneau masculin, blocage masculin, football masculin. Tis de tir pour le football américain. Masculin, tir, masculin, football, masculin. Mannequin d'entraînement pour le football américain. Mannequin, masculin, entraînement, masculin, football, masculin. Équipement pour le football au drapeau. Équipement. Masculin, football, masculin, drapeau, masculin. Balle du jeu de crosse. Balle, féminin, jeu, masculin, crosse, féminin. Bâton du jeu de crosse. Bâton, masculin, jeu, masculin, crosse, féminin lance-balle automatique lance-balle masculin ballon de football ballon masculin football masculin matériel de marquage des terrains de football matériel masculin marquage masculin terrain masculin football masculin équipement de protection pour le football équipement masculin protection féminin football masculin dispositif d'entraînement pour le football dispositif masculin Entraînement masculin football masculin and that's it I hope it was useful youtubecom si if you want more videos and then the website www.imagier.net uh, have a great day bye bye Bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent and this is a vocabulary video lesson in which we'll discover together les formes, ok Rond, rond, rectangulaire, rectangulaire, carré, carré, triangulaire, triangulaire. Trapezoidal. Trapezoidal. And that's it. If you want more, youtube.com slash imagier and the website imagier.net is waiting for you. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary video lesson in which we'll work on. Les fruits à noyaux. Okay, so keep in mind that in most of the cases, we won't have the articles for the words, but then I will tell you whether they are masculine or feminine. Okay, so let's start now. Abricot. Abricot masculin. Pêche. Pêche féminin. Cerise Cerise Féminin Prune Prune Féminin Raisin Raisin Masculin Raisin de table Raisin Masculin table féminin raisin de cuve raisin masculin cuve féminin olive olive féminin And that's it for this video, if you want more videos then youtube.com slash imagier and then remember that the website is waiting for you and it's here www.imagier.net Have a great day, bye bye! Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and this is a vocabulary video lesson in which we'll work on les fruits Tropico. Okay, so keep in mind that I will try to repeat these words and tell you whether they are masculine or feminine. So it's quite important to try to remember the gender of the words. Okay, so if you're ready, we're starting right now. And the first one is banane, banane féminin, anana, anana masculin. Mangue, mangue féminin Date, date féminin Raisin sec, raisin masculin Figue, figue féminin. Avocat Avocat masculin Kiwi Kiwi masculin Noix de coco Noix féminin Agrume Agrume masculin Citron, citron masculin. Orange, orange, féminin. Pamplemousse, pamplemousse, masculin. Tangerine, tangerine, féminin citron vert citron vert masculin and that's it for the, this video if you want more videos then youtube.com/imagier and the website is waiting for you and it's here www.imagier.net have a great day Bonjour à tous and welcome to learn french with Vincent and this is a vocabulary lesson in which we'll discover together fruit et fruits à coque okay in most of the cases they will be at the plural form so it's quite hard to know whether they're masculine or feminine but then don't worry i will tell you okay so let's start now fruit et fruits à coque tropicaux fruit masculin coque féminin fruits tropicaux fruits masculin banane banane féminin anana anana masculin mangue mangue féminin date date féminin Raisin sec, raisin masculin. Figue, figue féminin. Avocat, avocat masculin. Kiwi, kiwi masculin. Noix de coco, noix féminin agrumes agrumes masculin citron citron masculin orange orange féminin pamplemousse pamplemousse masculin tangerine tangerine féminin Citron vert, citron, masculin. Fruits non tropicaux, fruits, masculin. Baie, baie, féminin. Raisin sec de corinthe, raisin, masculin. Groseille à macro, groseille, féminin. Fraise, fraise, féminin. Framboise, framboise, féminin. Canneberge, canneberge, féminin. Pomme, poire et coin. Pomme, féminin, poire, féminin, coin, masculin. Pomme, pomme féminin. Poire, poire féminin. Coin, coin masculin. Fruit à noyau, fruit, masculin, noyau, masculin. Abricot, abricot, masculin. Pêche, Pêche, féminin. Cerise, cerise, féminin. Prune, prune, féminin. Raisin, raisin, masculin. Raisin de table, raisin, masculin. Raisin de cuve, raisin, masculin, cuve, féminin. olive, olive féminin. And that's it for this lesson. If you want more, then youtube.com slash imagier and the website is waiting for you imagier.net. Have a great day, bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. This is a vocabulary lesson and we'll discover together in this lesson L'horlogerie personnelle. okay, and then keep in mind that I will tell you whether the words are masculine or feminine. I will say masculin or féminin. okay? so horlogerie, féminin, and then, obviously, the adjective personnel, féminin. Let's start now. Montre. Montre, féminin. Vers un montre. Vers... Masculin, montre, féminin. Montre-bracelet, montre, féminin, bracelet, masculin. Chronomètre, chronomètre, masculin. And that's it! I hope it was useful. If you want more videos, then youtube.com/slash imagier and the website www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary video lesson. And in this lesson, we'll see together les journaux. Les journaux. Okay, so keep in mind that um, well, these words normally are coming without the articles so I will tell you wh whether they are masculine or feminine. Okay, masculine ou féminine. So let's start now. Revue spécialisée, revue féminin, journaux officiels. Okay, so if you want to make the liaison, it will go like. Journaux officiels. All right. Journaux masculins. Périodique. Périodique masculin. Publication périodique. Publication féminin. And in that case, périodique is used as an adjective. Okay. Magazine. Magazine masculin. And that's it for this short but useful lesson. If you want more, youtube.com slash imagier and then imagier.net is waiting for you. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary video lesson in which we'll work on le lait. lait. Okay, so keep in mind that these words will come without the article, so I will tell you whether they are masculine or feminine. Lait. pasteurisé lait masculin lait stérilisé lait masculin lait uht lait masculin lait écrémé lait masculin lait demi-écrémé lait masculin Lait entier, les masculin. Les condensés, les masculin. Lait en poudre, les masculin, poudre féminin. And that's it. Vous êtes un spécialiste du lait maintenant. If you want more videos, then youtube.com slash imagine. The website is right here. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary lesson. And in this lesson, we'll discover together les légumes racines. Okay, so for these words, I will give you the gender, so just to know whether they are masculine or feminine. Okay, so let's start now. Betrave. Betrave féminin. Carotte. Carotte féminin. Oignon. Oignon masculin. Navet. Navet masculin. And that's it. I know it was quite short but then quite useful. If you want more videos, youtube.com slash imagier. And then more material can be found at the following address www.imagier.net. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary video lesson, and we'll work on les légumes in this video. Okay, so for each word, I will tell you whether it's masculine or feminine. So I will use the masculine or féminine. Okay, so let's start now. Légumes racines et légumes tubercules. Légumes racines. Légumes masculin, racines, féminin. Betterave. Betterave féminin. Carotte. Carotte féminin. Oignon. Oignon masculin navet navet masculin légume tubercule légume masculin tubercule masculin légume fruit légume masculin fruit masculin haricot haricot masculin fève fève féminin haricot vert haricots masculin haricot d'espagne haricot masculin pois pois masculin petit pois pois masculin mange tout mange tout masculin Poivron, poivron masculin. Tomate, tomate féminin. Courgette, courgette féminin. Champignon, champignon masculin. Concombre, concombre masculin. Légume à feuilles, légume. Masculin, feuille, féminin. Laitue, laitue, féminin. Feuille de salade, feuille, féminin, salade, féminin. Artichaut, artichaut, masculin. Épinard, épinard, masculin. Chou, chou masculin. Chou blanc, chou masculin. And here you get the adjective blanc at the masculine plural form. Chou fleur, chou masculin, fleur féminin. Brocoli, brocoli masculin. Chou de Bruxelles. choux masculin and that's it for this video if you want more than youtube.com slash imagier and the website is right here imagier.net have a great day bye bye bonjour a tous and welcome to learn french with vincent and this is a vocabulary video lesson in which we'll work on Les téléphones mobiles. Les téléphones mobiles, ok. So keep in mind that I will repeat the words and then I will tell you whether they are masculine or feminine as well, ok? So let's start now. Téléphone de voiture. Téléphone masculin, voiture féminin. Ensemble main libre. Ensemble masculin, main féminin. Téléphone GSM, téléphone masculin. Téléphone mobile main libre, téléphone masculin, main féminin. Téléphone mobile main libre sans fil, téléphone masculin, main féminin, fil masculin. And that's it, short but useful. If you want more, youtube.com/imagier slash and the website is waiting for you imagier.net. Have a great day. Bye-bye. Bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent. This is a vocabulary video lesson and in this lesson we'll discover together le thé. Okay, so remember thé is masculine, so masculin. Okay? Let's start now. Thé vert. Thé Masculin. T noir. T masculin. Préparation de T ou de Maté. Préparation féminin. T masculin. Maté. Masculin. T en sachet. T masculin. Sachet. Masculin. Infusion, infusion, féminin. And that's it, short but useful. YouTube.com/imagier if you want more videos, and then imagier.net if you want to see more material, or send me a little message. Thank you very much. Merci beaucoup. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary. Lesson and we'll discover together les ustensiles de cuisine. So, quite useful. Keep in mind that uh, I will tell you whether they are masculine or feminine because, in most of the cases, you won't have the articles. Okay, and then you can see quite easily if you look at the translation whether it's the singular or plural form. Okay, so let's start now. Vaisselle. Vaisselle féminin. Tasse et verre. Tasse, féminin, verre, masculin. Tasse, tasse, féminin. Petite tasse, tasse, féminin. Verre à boire, verre, masculin. Récipient pour aliment, récipient masculin, aliment masculin, bidon à eau, bidon masculin eau féminin, récipient isotherme récipient masculin, plateau plateau masculin, égouttoir Égouttoir masculin. Ustensile de cuisson. Ustensile masculin. Cuisson féminin. Égouttoir à vaisselle. Égouttoir masculin. Vaisselle féminin. Vaisselle de table. Vaisselle féminin. Table féminin. assiette, assiette, féminin. plat, plat, masculin. soucoupe, soucoupe, féminin. bol, bol, masculin. décanteuse, décanteuse, féminin. Gamelle en fer blanc gamelle féminin fer masculin fourniture pour restauration fourniture féminin restauration féminin fourniture jetable pour restauration fourniture féminin restauration féminin Couteau et assiette jetable couteau masculin assiette féminin tasse jetable tasse féminin plateau pour repas plateau masculin repas masculin cuillère fourchette cuillère féminin fourchette féminin cuillère féminin fourchette féminin balai masculin brosse féminin pinceau de peintre en bâtiment pinceau masculin peintre masculin bâtiment masculin brosse de toilette brosse féminin toilette féminin éponge éponge féminin saut saut masculin poubelle poubelle féminin pelle à poussière pelle féminin poussière féminin briquet briquet masculin alliage pyrophorique alliage masculin allumette allumette féminin Gaz pour briquet gaz masculin briquet masculin article de pyrotechnie article masculin pyrotechnie féminin bougie bougie féminin bouteille, bocaux et flacons bouteille féminin bocaux masculin flacon masculin bouteille féminin bocaux masculin flacon masculin casier à bouteilles casier masculin bouteille féminin bonbonne et fiole bonbonne féminin fiole féminin bonbonne féminin fiole féminin bobine féminin and that's it for this lesson youtube.com slash imagie if you want more videos and then imagier.net more material have a great day bye-bye Bonjour à tous and welcome to learn French with Vincent and in, uh, so it's a vocabulary so a video lesson and in this lesson we'll discover together les véhicules à moteur okay so keep in mind that in most of the cases all these words will be without the articles so I will tell you whether they are masculine or feminine okay so let's start now voiture particulière voiture féminin break et berline break masculin berline féminin break masculin berline féminin véhicule à quatre roues motrices véhicule masculin roue féminin Jeep. Jeep féminin. Véhicule tout terrain. Véhicule masculin, terrain masculin. 4-4. Véhicule à usage spécial. Véhicule masculin, usage. Masculin. Véhicule de secours. Véhicule masculin. Secours masculin. Véhicule de sauvetage. Véhicule masculin. Sauvetage masculin. Véhicule à usage paramédical. Véhicule masculin usage masculin. Ambulance Ambulance féminin véhicule de transport de patient véhicule masculin transport masculin patient masculin voiture de police voiture féminin, police féminin, fourgon cellulaire, fourgon masculin, véhicule pour service d'assistance sociale, véhicule masculin, service masculin, assistance féminin. Minibus. Minibus. Masculin. Autre véhicule particulier. Véhicule. Masculin. Véhicule à moteur pour le transport de moins de dix personnes. Véhicule. Masculin. Moteur. Masculin. Transport. Masculin. Personne féminin. Véhicule de transport d'occasion. Véhicule masculin, transport masculin, occasion féminin. Véhicule à moteur servant au transport de 10 personnes ou plus. Véhicule masculin, moteur. Masculin Transport Masculin Personne Féminin Autobus et car Autobus masculin Car Masculin Autobus public Autobus masculin Autobus articulé Autobus masculin. Autobus à impérial. Autobus masculin. Autobus à plancher surbaissé. Autobus masculin. Plancher masculin. Autocar. Autocar masculin. Véhicule à moteur servant au transport de marchandises Véhicule masculin, moteur masculin, transport masculin, marchandise féminin. Camionnette à espace ouvert à l'arrière Camionnette féminin, espace masculin, arrière Masculin. Traîneau à moteur. Traîneau masculin. Moteur masculin. Camions articulés. Camion masculin. Camion-citerne. Camion masculin. Citerne féminin. Camion citerne à essence. Camion masculin, citerne féminin, essence féminin. Camion à carrosserie ouvert et à plateforme. Camion masculin, carrosserie féminin, plateforme féminin. Camion à carrosserie ouverte. Camion masculin, carrosserie féminin. Camion à benne basculante. Camion masculin, benne féminin. Fourgon intégré. Fourgon masculin. Fourgonnette. Fourgonnette, féminin. Fourgon tollé, Fourgon, masculin. Véhicule d'occasion servant au transport de marchandises. Véhicule, masculin. Occasion, féminin. Transport, masculin. Marchandise, féminin. Tracteur routier. Tracteur masculin. And that's it. I hope it was not too long. If you want more videos, then youtube.com slash imagier and the website imagier.net is waiting for you. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary video lesson. And in this lesson, we'll work on. Les vêtements de fonction. Okay, les vêtements de fonction. Okay, so let's start now. And it's quite, quite interesting here because if we want to translate these this suits, then in French we've got the difference between the men here and the women here. Okay, so for the men we will say costume. Okay, costume and costume is masculine. Okay, and for the women we'll we, we will use tailleur and tailleur. est aussi masculin. OK? So, costume, tailleur. Ensemble. Ensemble masculin. Veste et blazer. Veste féminin, blazer masculin. Blazer masculin. Veste féminin. And that's it. If, if you want more videos, then youtube.com slash imagier and the website is here, imagier.net, and it's waiting for you if you want more material or then send me a little message. Okay, have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary video lesson in which we'll work on Vêtements d'extérieur d'hiver. Okay, so I will tell you whether the words are masculine or feminine. So I will use the masculin and feminine word. Robe, robe, féminin. Jupe, jupe, féminin. Short, short, masculin. Pantalon, pantalon masculin. pullover. pullover. masculin. cardigan. cardigan. masculin. sweatshirt. sweatshirt. masculin. gilet. gilet. masculin. and that's it. if you want more videos, youtube.com slash imagier and the website. is waiting for you. Have a great day. Bye-bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent and this is a vocabulary video lesson in which we'll work on les vêtements d'extérieur. Okay? So let's start now. Manteau. Manteau. Masculin. Pelerine. Pelerine. Féminin. Cap, cap, féminin. Coupe-vent, coupe-vent, masculin. And that's it for les vêtements d'extérieur. If you want more videos, then youtube.com slash imagier. And the website is right here. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary video lesson. And in this lesson, we'll discover together les vêtements professionnels. OK, so I will tell you whether the words are masculine or feminine. I will use the masculin and féminin word, OK? Vêtements à usage industriel. Vêtements masculin. usage masculin. Combinaison de travail. Combinaison. Féminin. Travail. Masculin. Vêtements de travail spéciaux. Vêtements. Masculin. Travail. Masculin. Vêtements d'aviateur. Vêtements. Masculin. Aviateur. Masculin veston d'aviateur veston masculin aviateur masculin combinaison d'aviateur combinaison féminin aviateur masculin accessoire pour vêtements de travail accessoire masculin vêtements masculin travail masculin Gants de travail, gants masculin, travail masculin. Visière de sécurité, visière féminin, sécurité masculin féminin. Équipement de protection, équipement masculin, protection féminin. Okay, that's it for this video. YouTube.com slash imagier if you want more videos, and then imagier.net uh, for the website, more material, and then you can send me a little message if you want. Have a great day. Bye bye. Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. And this is a vocabulary video lesson in which we'll discover les vêtements spéciaux. Okay, so let's start now. Vêtements. Pour bébé, vêtements masculins, bébé masculin, vêtements de sport, vêtements masculins, sport masculin, survêtements de sport, survêtements masculins, sport masculin, chemise de sport, chemise Féminin, sport, masculin. Combinaison de ski. Combinaison, féminin, ski, masculin. Maillot de bain. Maillot, masculin, bain, masculin. Et voilà. And that's it. If you want more videos, youtube.com slash imagier. And the website is right here, imagier.net. Have a great day. Bye bye.